commencer par un update. Hein. Bon, je vous reprends ici. Là, je vais en direction du kiné. En fait, je vous ai pas dit, mais enfin, j'en ai parlé sur Insta. Il y a quelques temps, je me suis fait un peu mal au pec. Du coup, j'ai un peu mal niveau pec, enfin, entre le pec et l'épaule. Du coup, je sais pas trop si c'est au niveau de l'articulation, le tendon ou je sais pas, ou le muscle. Donc, je vais chez le kiné, je vais voir ce qu'il va me dire, voir s'il peut me donner des petits tips et aussi bah, diagnostiquer ce que j'ai en fait, tout simplement. Parce que du coup, ça est arrivé il y a à peu près 3 semaines. Mais et j'avais fait une pause, mais bon, c'est revenu. Donc bon, je vais essayer de voir ce que c'est et avoir un petit diagnostic. Et bah, j'essaierai sauf de reprendre après, soit reprendre demain. Je verrai par rapport à moi, en fait, le mood. Donc voilà, je suis en direction. Je vais essayer peut-être de filmer un peu si je peux filmer des petits trucs. Mais c'est pas sûr parce que c'est un rendez-vous médical quand même. Donc, voilà, je vous reprends. Donc les gros, je vous reprends ici, donc post-kiné, donc on est le lendemain, donc j'ai décidé de faire une séance bras. Sous les conseils du kiné, j'ai pu clairement reprendre les entraînements, que ce soit pec ou épaule ou bras, enfin tout le haut du corps. Je m'étais un peu arrêté en fait il y a quelques temps du coup, vu que je commençais à avoir des douleurs sur le pec gauche, enfin entre l'insertion du pec et l'épaule. Donc je me suis dit vas-y, je vais prendre un rendez-vous chez le kiné, comme ça on est beaucoup plus safe. Donc j'ai fait un petit diagnostic chez le kiné, ce qui m'a amené à savoir que j'ai une plutôt mauvaise mobilité de l'épaule gauche. Donc c'est ça très certainement qui m'a causé des douleurs au pec gauche. Donc il m'a fourni quelques exos de mobilité pour l'épaule gauche à faire en amont de toutes mes séances haut du corps, et également essayer d'en rajouter quand je m'entraîne pas. Donc comme ça j'essaie de augmenter ma mobilité au maximum et aussi bah, bien pré-échauffer mes épaules juste avant d'effectuer des mouvements du haut du corps. Donc vous allez voir, il y a deux routines principalement à faire. Donc premièrement, c'est celle où on fait une rotation pour la coiffe des rotateurs. Donc il faut savoir que au début de la vidéo, on voit faire cette exécution là, mais elle n'est pas très bien faite. En fait, c'est que je décolle beaucoup beaucoup trop le coude de mon buste, et donc en fait il faut que le coude soit vraiment bien collé au buste et décoller le bras sans le décoller du buste. Donc faire une bonne rotation de la coiffe des rotateurs. Et le deuxième, en fait, c'est ça, c'est ce tirage. Au niveau, faut que je ramène en fait mon coude à 90 degrés et ensuite je pivote vers le haut. Je reste bloqué 5 secondes, ensuite je monte, je reste bloqué 5 secondes. Et ça, j'effectue ce circuit environ 4 fois. De chaque côté, j'essaie de faire 4 fois 4. Tout simplement pour bien préchauffer mes épaules, et ensuite je peux continuer ma séance. Donc là, je vous laisse sur une petite séance bras. Donc vous avez à peu près déjà vu mes séances bras, ça ressemble à quoi. Et donc, bah voilà, je vous laisse devant ça, les gars, et on se reprend plus tard.